Bonjour, je suis Thierry Dagnet, je représente la société RUA Gamotech qui est le fabricant des cartouches Rotwell. Comme vous le savez, l'emploi du plomb pour la chasse dans les zones humides est interdit depuis l'an dernier. Donc les grands fabricants dont Rotwell ont élaboré une gamme de munitions de substitution qui comporte bien évidemment de la grenaille d'acier, également du sphérotungstène. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la première cartouche grenaille d'acier dispersante du marché. En effet, l'une des contraintes majeures de l'acier, en fonction des normes de fabrication qui sont imposées, est que la charge de grenaille est encapsulée dans une bourre à godet qui entraîne la production d'une charge extrêmement serrée. Ceci peut entraîner des désagréments pour les chasseurs à la botte lorsque l'on tire des oiseaux à faible distance. Pour répondre à cette attente, à ce besoin, Rotwell a donc développé la première munition acier à effet disperseur qui permet donc une utilisation jusqu'à des distances de 15 à 20 mètres afin d'effectuer un prélèvement sans abîmer le gibier. La cartouche utilise une grenaille que l'on appelle polycube, c'est-à-dire qui n'est pas sphérique et dont la forme aléatoire permet la dispersion, auquel nous avons couplé un croisillon de disperseur qui augmente encore la dispersion. Et par ce biais, nous arrivons à offrir une gerbe d'un écartement largement équivalent à celle du plomb. Cette cartouche est une cartouche basse performance, elle est donc utilisable dans tous les fusils chambrés en 67,5 parce que c'est une 67,5 et éprouvée à 740 bars. Elle est disponible dès la saison prochaine en deux numéros de grenaille, le 4 qui est équivalent au 6, comme vous le savez, il y a toujours ce décalage d'un à deux numéros, et le 6,5 acier qui est équivalent au 8, donc parfaitement adapté pour la chasse par exemple des limicoles au culvé, des bécassines, voire des bécasses dans les zones humides. Son prix public sera de l'ordre de 55 centimes.